c'est absolument génial d'innover dans le handicap. Je suis Thomas Greul, cofondateur de Jib. Jib est né avec l'idée de rapprocher l'univers de la technologie du monde du handicap. Aujourd'hui, Jib, c'est vraiment ce lien, c'est prendre des technologies grand public existantes, les adapter aux enjeux très spécifiques du handicap, avec une visée finale qui est celle de l'inclusion. Une inclusion sociale, une inclusion dans l'éducation, une inclusion dans l'emploi. Ça touche vraiment différents publics avec différentes problématiques pour chacun, mais à chaque fois, toujours cette idée que la technologie va vraiment aider la personne à s'intégrer et c'est génial. Très vite, on s'est rendu compte de la profondeur de la diversité des réalités pathologiques et des réalités individuelles. Dans chaque pathologie, il y a des réalités extrêmement diverses. Plus largement, c'était de la technologie qui devait être adaptée aux enjeux du handicap, ce qui voulait dire qu'au-delà même du sujet, par exemple, du contrôle d'environnement, est venu se greffer aussi les enjeux de communication qui sont extrêmement centraux dans l'univers du handicap moteur. Les grandes réussites de Jib, ça a été d'avoir trouvé le bon modèle qui correspond vraiment aux attentes des utilisateurs. Le deuxième point pour moi, c'est vraiment l'impact qui a été exprimé par les personnes qu'on a équipées, le changement drastique dans leur vie au quotidien, que ce soit eux directement, que ce soit la situation des aidants également. Nous, c'est vraiment ce qui nous motive au quotidien. Et c'est plus largement d'avoir embarqué des collectifs d'ergothérapeutes, énormément d'aidants familiaux, professionnels, de financeurs aussi qui croient dans notre vision de favoriser l'inclusion à travers la technologie. J'espère avoir fait bouger les choses en 6 ans. Il y a plus de 800 personnes qui ont été équipées de nos solutions en France. On a déjà, et c'est certain, changé leur réalité. La première personne qu'on a équipée avec un dispositif de communication, ses premiers mots ont été de dire « je suis heureuse ». Ça faisait des mois qu'elle ne pouvait plus communiquer avec son mari et ça a été vraiment un soulagement énorme pour elle. On est très fiers de ce qu'on a pu créer ces 6 dernières années. L'écosystème du handicap en France, il est en train d'évoluer. Je pense qu'il y a un début de prise de conscience que la problématique du handicap ne peut pas être uniquement traitée à travers les associations et l'État. Qu'il y a aussi la nécessité d'avoir de l'innovation. On a énormément besoin d'entrepreneurs, d'entreprises innovantes, de start-up qui viennent répondre aux problématiques du handicap. Et je suis content que Jib ait été parmi les premières entreprises qui ont ouvert un petit peu cette voie d'intégrer une diversité d'acteurs et d'avoir un maximum de dialogue. Aujourd'hui, on a une énergie créatrice qui fait que beaucoup de services d'aide technique dédiée au handicap sont en train de se créer en France. Et je pense vraiment essentiel qu'il y ait un appui beaucoup plus fort de ces entreprises innovantes. Soutenez l'innovation. On ne veut pas nécessairement plus de financement, mais mieux de financement, c'est-à-dire beaucoup plus rapide, parce que les bénéficiaires en situation de handicap ne peuvent pas attendre un an et demi pour avoir leur financement et pouvoir s'équiper de leur dispositif pour l'autonomie, puisque pour la majorité de nos utilisateurs, ils ne peuvent pas s'équiper avant d'avoir ces financements. Si on prend par exemple la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, on a une réponse de financement qui permet tout de suite d'équiper la personne. Et ça, c'est superbe pour les personnes en situation de handicap, c'est superbe pour les entreprises innovantes. Le produit de mes rêves, ça serait vraiment une solution ultra modulable qui s'adapte à un peu tous les handicaps, toutes les réalités pathologiques, tous les besoins. En fait, un peu une super app. Et si on pouvait arriver à faire une super solution unique qui réponde à tous les enjeux du handicap, ce serait génial. Et donc, on y travaille. Le problème dans le handicap, c'est pas le handicap en lui-même, c'est le sujet d'inclusion. Compenser le handicap pour permettre à une personne de réaliser exactement les mêmes choses qu'une personne qui n'aurait pas de handicap. Et donc, la technologie est vraiment essentielle pour répondre à cette problématique. C'est juste monstrueux de se dire à quel point on pourrait changer la réalité de notre société si on intégrait mieux les personnes en situation de handicap.